C'est le crépuscule dans pas longtemps. Et je vais essayer de le prendre dans cette vidéo présente du 12 mai 2015. Je suis aux abords de l'étang Saint-Paul et je m'en vais. Je vais essayer de prendre la suite sur la route forestière de Cambais. Allez, on y va. Je suis sur la route forestière de Cambais. Je me dirige vers le nord, par ici. Là, c'est le sous-bois de la forêt de Cambais. Et le soleil se couche. Il illumine ce qu'il peut à travers les branches. Et au moins les nuages. Allez, on y va. Allez, nous, on va de ce côté, en longeant la plaine Oméga, qui est matérialisée ici par l'ancienne antenne, juste au milieu de l'image, là. Et en fait, derrière, c'est le cirque de Mafat. Et voilà les nuages. Alors, je viens de rater le coucher de soleil. Comme un con. Et là derrière. Quatre petits nuages. Cap là où c'est. Peut-être aura-t-on droit à quelques ULM dans le soleil couchant, couché.
demande. Je me sens encore. Oui. Peut-être le temps plein. On va y aller, direction le nord. Encore un peu de diffraction de lumière quand même. Il y a un petit ULM qui revient, donc on va le filmer avant de partir. En direction du LM Cambay. Bon, nous on se casse quand même. Allez, il est en train de foncer sur la piste. Bon, comme c'est la fin, j'ai changé de place quand même. Je vais faire une petite vue quand même sur la baie. Petit chemin littoral. Et là, c'est la route forestière de Cambay. On revient de la sombritude de la forêt de Cambay vers l'éclaircie de la plaine Omega. Voilà Omega. Voilà, là on entame la dernière ligne droite par là-bas pour aller sur ULM Cambay. Voilà le couchant par derrière. Voilà l'ouverture de du cirque de Mafate, les Hauts-de-Saint-Paul.
Allez, on vise bien au milieu et on y va. Voilà, on a quitté la route forestière et on se retrouve voilà, dans le couchant et la diffraction de couleurs. Voilà, on est à deux pas de la base ULM. Juste au milieu de l'image, il y a un mangère usagé, et là c'est la diffraction solaire. Lumière électrique. ULM Cambay. Le bruit de la houle. Voilà, c'est ma route, elle fait 800 mètres, c'est tout droit, jusqu'au pont de la rivière des Galets. On y va. Dernier regard à l'aurore boréale. M'y voici sur le pont de Saint-Paul. Et je vais regarder vers le couchant au-dessus de la rivière des Galets. Voilà le couchant. Allez, on va se dire au revoir, c'est le moment. Donc je vous dis à la revoyure. Ciao, bye.